Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas. C'est bon, toujours Guilmas. La vie est belle, il faut savoir la vivre. C'est toujours moi. Partagez la vidéo, commentez si vous avez des commentaires. Likez, mettez les j'aime. Puisque ici, c'est la place des analyses objectives. Alors, Nikki Menga Barcelone a moved on. She moved on already. Elle n'est plus dans la relation préditée de Fally Ipupaké sur les réseaux sociaux. Les gens toujours sont en train d'étouffer Nikki Menga avec l'histoire de Fally. Nikki Menga a déjà évolué. Souvenez-vous des insultes qui ont été jetées à la fille, à notre fille Keina Ipupa. Ce sont les choses que Nikki Menga avait déjà dit il y a longtemps. Quand Nikki Menga avait dit moi, je suis le père et la mère de mes enfants. Ça voulait dire qu'il n'y avait pas la présence des pères dans les foyers. Un papa était déjà irresponsable il y a longtemps. La fille Keina est venue seulement relater la réalité de sa vie. Là, elle est venue relater ce que sa maman avait déjà dit. Fally n'a jamais été là. Il a dit, elle avait dit que pour elle, papa y a de ses affaires était déjà mort il y a longtemps. Donc, ça veut dire qu'il n'a jamais été là. Il faut bien comprendre les choses. Aujourd'hui, Nikki Menga, elle ne calcule pas Fally. Dieu l'a visité. Dieu s'est souvenu de Nikki Menga aujourd'hui. Si elle est aujourd'hui avec un millionnaire congolais, on est en train de construire sa maison à Brazza. On construit sa maison. Elle a un orphelinat aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ceci ou cela, c'est parce que Dieu s'est souvenu d'elle. Elle a beaucoup fait. Elle nous a donné licencié. Elle nous a donné grâce à Fally. Elle a donné à Fally des papiers. C'est grâce à elle. Si aujourd'hui Fally est en France, c'est grâce à Nikki Menga. Donc elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a aidé. Elle a donné aussi. Elle a aidé à avoir des papiers. Elle a donné les papiers. Elle a donné aussi les enfants. Et la force est licenciée. Nikki Menga a fait ce qu'elle pourrait faire dans sa vie. Elle a aidé. Elle a fait son devoir. Elle a fait son devoir. Aujourd'hui, elle ne vit pas de son passé. Elle s'est construit un présent. Elle s'est construit une joie autour d'elle. Elle s'est construit une autre vie nouvelle qu'elle vit aujourd'hui. Elle est à cheval entre Brazza, Congo, France, Brazza, Paris. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Est-ce que vous pensez que Nana Ketchup est contente de voir qu'une femme qu'elle-même elle voulait voir s'agenouiller devant Fally, Dieu l'a élevée, elle vit une vie aux anges, elle ne calcule plus Fally. Maintenant, Nana Ketchup, on a laissé Fally. Il y a longtemps, on t'a donné Fally. Il faut gérer Fally maintenant. Pourquoi Fally est toujours derrière Nikki Menga? Pose-toi la question, pourquoi Fally est toujours derrière Nikki Menga? C'est ça la question que Nana Ketchup devait te poser. Puisque au moment où je te parle, au moment où j'ai fait la vidéo ici, Fally sait que Nikki Menga est déjà dans les bras de notre monsieur. Fally n'est pas content. Maintenant, Fally, il fait tout pour récupérer Nikki Menga. C'est ça le combat maintenant de Fally. Fally veut récupérer Nikki Menga. Pourquoi? Maintenant, pourquoi s'attaquer à Nikki Menga? Ce n'est pas à Nikki d'attaquer. Il faut attaquer Fally, puisque c'est Fally qui veut aller détruire la relation de Nikki Menga. C'est lui qui veut aller récupérer Nikki. Pendant que Nikki a évolué, elle est déjà partie. Maintenant, elle vit une autre vie. Fally est surpris de voir Nikki Menga être dans les first class, dans la classe, business class, dans l'avion. Fally est surpris.
Fali n'avait n'a pas compris comment cela pourrait être possible. Nikki est parti au concert de Fali avec son messier. Mais les gens ont besoin de battre, mais la vérité en Rwanda. Fali est parti à, il est parti au Congo Brazza, à l'Ali Hotel Mokona Nikki Menga. Est-ce que vous voyez bien? Fali a donné, combien de fois Fali a donné négocier Nikki Menga? Maintenant, si Kabino Bawario, Bino Bobolink, Baba Grasse Mbizi, Baba Marie, Lorbino tout, elle a besoin d'attaquer Nikki. Est-ce que c'est Nikki qui attaque, qui suit Fali, ou bien c'est Fali qui suit Nikki? Au lieu maintenant d'être cohérent et d'être sûr et d'être convaincu que c'est vrai que Fali n'a jamais aimé Nana Ketchup. Fali n'a jamais aimé Nana Ketchup. Ils vivent ensemble juste par circonstance. C'est une relation de circonstance. Relation à Fali et Poupa et Nana Ketchup est une relation de circonstance. Pendant que l'amour, relation de Nikki Menga, et Fali Poupa, c'est un amour vrai. Nana Ketchup est dans une relation de circonstances pendant que Nikki Menga était dans une relation amoureuse. Vrai amour. Mais tellement que Fali, il ne prenait pas cette relation au sérieux, aujourd'hui il commence à regretter qu'il est en train de perdre. Il a perdu une pièce rare, une pièce motrice de sa vie. Yango bozomona, Fali ka il lèche tout, il se lasse, il est fâché, il se fâche contre les Afa, contre moi, il se fâche contre tout le monde, puisqu'il ne sait à quel Dieu s'avouer. Maintenant, c'est que vous qui insultez Nikki Menga, dites-moi, elle vit sa vie à part entière, vit sa vie qui est indépendamment, loin de Fali et Poupa. Une vie qui est loin d'être la vie avec Fali et Poupa. Elle vit sa vie avec ses enfants, une vie aisément, good, bien, sans la présence de Fali et Poupa. Mais Fali tellement qu'il a vu que Nikki Menga est en train de mener une vie meilleure avec un autre monsieur, Fali commence à chercher à récupérer Nikki Menga. Maintenant, pourquoi vous vous attaquez à Nikki? Vous avez besoin de vous attaquer à Sony. La fille ici ne parle pas sur les réseaux sociaux. Elle ne dit rien. Elle ne fait que vivre sa vie aisément et paisiblement. Mais Bino Bozako, ceux qui ont un maillot de bain, Bofingie. Elle n'est même pas encore figure publique. Alati Elamba, Bofingie. Et que ça soit comme ça, Bofingie. Elle a montré son pied, Bofingie. Bolingi a ça la nini. Bana basaka na écran na ba réseaux sociaux bozo finga mais bolingi bango donc bango bazana droit ya réseaux sociaux te bazana droit ya liberté te kaka bino ko finga ka ko finga ka na mutu mobimba ini mama ki a l'âge de 70 ans aza ko finga mwana ya 20 ans juste ba wario. Parce que bozo kokalisu soute kofinga Nikki. Bino bofingi ye bipolaire. Eza na mutu oyo aza komona ye na angle mususu. Azo mona na liso mususu. Aza bipolarité. Mwasi aza ko jere bana bazo kende université. A cause la bipolarité. Mwasi aza ko fute la bana ndaku. Mwasi oyo aza ko kende. O secours ya ba orphelin. A cause la bipolaire deni. Il faut que l'on cause la capé logique. C'est vrai que Congo, majorité des personnes n'ont pas étudié. Il y a des mots qu'on utilise sans vraiment savoir la signification. On utilise les mots juste pour faire plaisir. Mais réalité est que tous les kilos et paroles, on ne comprend même pas ce que les mots là signifient. C'est ça le drame des Congolais. C'est ça. Et l'autre ça qu'on bébé sa communauté na biso ko zongi sa communauté na biso sima puisque on parle seulement pour parler sans même comprendre ce qu'on est en train de dire. Ma message ni toza ko transmettre na bato bazako ta la biso.
Message nini toza kotika soki otiki otilisi video otali yango na batu message nini otiki quel est le message que tu as laissé aux gens? Moi je suis là, je suis fier de ce que j'ai fait parce que à chaque fois que je fais une vidéo, je la visionne et je suis avant de la poster, je la regarde et je suis sûr que message ça la rappe moi bien. La vidéo ici, je l'arrête ici. Veuillez partager. Si vous avez des commentaires, commentez. Bye. Ça fait du bien.